Et bonsoir les amis, bienvenue sur ce 7e soir de The Last of Us sur la chaîne Twitch. Et bienvenue à ceux qui regarderont la rediffusion sur YouTube. Donc bienvenue à vous, comme indiqué le 7e soir. Alors je sais pas si c'est un chiffre porte-bonheur, je sais pas si ça va nous porter chance dans le jeu. En tout cas, ça fait déjà le 7e soir sur The Last of Us. Allez! Je vous fais pas plus attendre, c'est parti, hop, je vous mets la scène du jeu, et c'est parti, on charge. Hop, on va faire l'histoire principale de la chasse. Donc pour rappel, hein, hier, Joël avait pris, s'est enfourché, on va dire, sur une sorte de pic de fer, et du coup, pendant ce temps-là, Ellie a pris soin de lui. Et s'était mis à la chasse parce que c'était l'hiver. Et du coup, elle a rencontré des personnes qui l'ont. Enfin, une personne qui l'a aidé à se sauver des personnes qui avaient chopé le virus, notamment des claqueurs. Et il s'est avéré que la personne en question, et ben, c'était une qui avait envoyé ses hommes dans la ville et dans laquelle on les avait tués pour se sauver. Voilà, et depuis, on est pourchassé par ces hommes. Et donc, la petite Ellie, la pauvre, elle est toute seule, donc on va voir ce qui se passe. Je dois faire le tour. Bon, après. Ouais, rejoindre Joël. Oh, lâche-moi, toi, tu m'as pas vu. Point vue. Alors attendez, hop, je vous mets ça comme ça moi je serais bien. Vache, arme qui est plus grande que Ellie. Bon, on perd pas les bonnes habitudes, même si on change de personnage, on fouille un peu tout. Ici y a rien, comme d'habitude, je fouille des trucs. Il n'y a que dalle dedans. Et remarque, attends, je peux essayer de me cacher dans le. Ah non. Bon, alors c'est un peu la merde, on est un peu à court de. Non, je vais garder la brique, hein. J'ai pas envie de mourir, moi. Alors, attends, ils sont deux là. J'ai trouvé quelque chose. Oh oh oh, des compos. Vas-y, recharge-toi, Ellie. Putain de merde!
Alors, attends, il y en a un là, l'autre derrière. Dispersez-vous! Viens là, toi. Et de deux. Ok, on a récupéré un fusil à pompe. Allez, je regarde. Ça a l'air tranquille. Coucou Lily. Merde, 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 merde. Est-ce qu'il y a... Attends, y en a qui m'a vu là? Tu vois quelque chose de ton côté? Comment tu vas, Lily? Oh, c'était magique, c'était magnifique. Oh, c'te pré-shot de ouf. Et toi, bah écoute, moi ça va impeccable. Je sais pas si t'as vu, mais j'ai fait un de ces pré-shots, Lini. Oh. La flèche qui est partie dans la tête du mec. Allez! On a fait les 4 kills silencieux, c'est bon ça? Je vais où? Ouais, écoute, pour le moment, j'ai envie de dire, tu fais le tour. Où est-ce qu'ils sont? Ah, truc de Lucio ici. Yes! Putain, je suis content du pre-shot que j'ai fait. Putain. J'ai dit, bon, allez, je tire au pif, on verra bien. Oh là 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 là. J'ai fait ça toute ma vie. Chasseur de père en fils depuis 1900. 1900 quelque chose. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Mais... C'était tout comme. Alors, attendez, qu'est-ce que je peux crafter? Eh ben, que dalle. Moi, comme ça règle le problème. Ah! Il y avait un petit truc qui se cachait côté droit du tiroir. Pff, merde, ils sont là. Merde, j'ai pas fini. On a encore deux là. Hop, dans la maison. Là, il y a des trucs, des trucs. Ah, rien du tout. Bon, j'écoute, j'entends rien là. Oh. Ah, celui-là était raté. Donc pour le coup, on a connu meilleur tireur. Quand c'est chelou, il y en a un qui s'est enfermé dans les chiottes, j'ai l'impression. C'est un tout petit peu plus discrète quand même, Ellie. Oh putain, ils sont deux là. Alors? Que dalle. T'as vu un truc? Rien non plus. Faut continuer. Allons fouiller le bâtiment. Voilà, dors-moi. Viens là, toi. Allez, montre-toi.
Arrête le jeu, arrête. 1 cm quoi. Ah, touché. Saloperie. Oh, elle est mort. On l'a eu. Oh, bordel. Non, voilà, je vais la tirer ici. Elle est où cette morveuse? Ah, où tu te caches là, toi? Tiens! Tiens, ça c'est de la discrétion, ça. Hein, tu fais moi le Marianne maintenant. Non, mais. Hop, t'es gentil, je récupère ma flèche. Toi, je te prends tes munitions. Ah, bah lui. Il a perdu un bout de jambe. Bon, lui, il a perdu un peu une main, un bout de jambe. Un petit peu gore quand même. Pas méchant, mais un petit peu. Attends, j'ai pas vu un truc là par terre. Là. Non, c'était un effet. C'était un effet lumineux. Alors là, je suis allé voir, il y avait tout. Ici. Rien. Oh, attends. Il me semble que je suis pas allé là, là, dans le petit. Dans le petit truc à snack là. Ah, remarque, il y a une brique. Je préfère la brique, ça fait plus mal. Le pistolet, on va le charger jusqu'au bout. Voilà, comme ça il a 6 balles dedans. N'empêche, la petite Ellie, on dirait Lara Croft en mini. Sentier de découverte. Bon, ça devrait faire l'affaire. En vrai, ça me fait tellement penser à Lara Croft là, le jeu. Oh putain. Tu l'as vu. Allez, Ellie. Tranquille. Surtout, tombe pas à l'eau. Tombe pas. Oh merde. Oui, effectivement, c'est pas le moment de tomber. C'est côté quoi ça? Une bouteille. J'en fiche. J'ai déjà la bouteille. J'ai déjà une brique. Alors. Interdit de pêcher. Ok. Attends, je veux juste regarder un truc. Est-ce que là il y a la chouette qualité aussi? Ah non. Alors attends, on va baisser un peu vu qu'il n'y a pas de chouette qualité ce soir. Je vais mettre 2000. Oula, non, pas 25 000. Hop, hop, voilà. Ça, c'est un tas de cailloux, c'est un tas de cailloux. Quoi, j'ai... Ah, à mon avis... C'est bon. À mon avis, c'est ça, c'est que ça me bloquait dans le tunnel. Ah, c'est ça, on voit le petit morceau là. Voilà le chemin. Tiens bon, Joël. Ouais. Ok, le tien bon, si tu veux, mais. Je sais pas pourquoi, mais ici je le sens moyennement. Ah bah tiens.
Attends, je suis pas fou. Oh. Ok, je crois que j'en ai vu un là-bas. Un là-bas et un là. Le petit Seloupio. Ouais. On équipe le popon. Oh là, mis une petite flèche dans le... Dans le cœur à l'autre là. On se déploie. Putain, merde, ils sont deux. Allez, montre-toi. Fait sans se faire voir. Il est où ce couillon? Il est là. Attends. C'est le seul qui a, je crois. Ouais. Oh non, 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 non. Il y en a un qui est caché là-bas. Là. Oh putain. Oh merde, deux. Quoique. Non, j'ai pas envie de me montrer. Je suis très bien là où je suis. Ah merde, il est loin lui. C'est bon les autres. Comment ça, qui c'est qui a pu me voir là? Ah merde. Déployez-vous. Merde, l'autre il est là. C'est fait voir, vous croyez? J'ai fait easy. Attendez, on va choper la bouteille là. Vas-y, viens ici, toi, viens ici. Plus là. Allez, c'est bon ça. Ouais. Easy. J'ai fait ça toute ma vie. Mais n'empêche, c'est pas juste parce que Ellie elle a un couteau. Ah, on notera, Joel lui il avait le droit à que dalle. C'était limite, il fallait qu'il se fabrique son arme. Et encore une fois que son arme était fabriquée, et bah pété. Je trouve pas ça juste. Qu'est-ce que j'ai déjà? J'échappe ici. À mon avis, ouais, voilà, c'est bien ce qui me semble. Alors attends. Oh, vous voyez ce que je vois là?
l'impression qu'il y a deux trucs. Allez. J'ai l'impression que... Ah, j'ai l'impression qu'il y a là. Premier truc ici, là. Je veux pas être piégé ici. Voilà. On se met bien. S'il y a rien d'autre. Oh, un tiroir. Évidemment. Ah, ce serait pas drôle s'ils avaient mis quelque chose dans le tiroir. Hein. Où est la sortie ? Voilà, et ça en fait. Oh ! Et ça, à mon avis, c'est. Voilà, c'est. Je pouvais rentrer par là si j'aurais bougé la. Comment ça s'appelle ? L'autre benne à ordures là. Alors. Vous savez quoi, j'ai envie de faire une petite variante. On va faire un petit cocktail Molotov. Doucement, allez, doucement. Ouh, il y a des trucs sur le comptoir là qui m'intéressent. Hop, hop. Ok. Je peux rien crafter. Ah, oh putain! Bon, bah le jeu. Je crois que j'ai été vu. J'ai réellement été vu ou c'est genre le mec qui va se ramener là et puis va... Attends. J'ai moyennement confiance dans l'affaire. Enfin, après, techniquement, elle peut pas rentrer. Enfin... Sauf si c'est un bot intelligent et qu'il sait monter par le haut pour venir me chercher, ce que j'espère pas. Je vais te buter, oh, sale putain. Petite garce. Ça c'est con. Ça c'est con pour toi ça. Eh, coucou toi. Salut. Je vais me la... Hein. Par contre, alors là, par contre, je suis un peu déçu quoi. J'étais derrière lui, il m'avait pas vu. Et genre, j'ai pas eu l'interaction pour pouvoir le tuer. Bon, tant pis, on lui a mis un coup de couteau, ça fait toujours plaisir. Dis-moi, l'outil a mangé une bastos dans la tête, je te raconte pas. Alors, le fait qu'il y ait la grande porte là, j'aime moyennement. Allez, allez, Lee, allez. Oh putain. Qu'est-ce qu'il va faire lui ? T'es en sécurité. T'en fais pas. T'en fais pas. Oh le bâtard.
qu'il est en train de faire là. Quoi? Oh non, j'espère qu'ils ont pas découpé Joël. Non, je pense pas que ce soit lui, je pense pas. Hein. Comment tu te sens? Super. Tiens. Faut que tu manges. J'ai moyennement confiance. T'es resté longtemps dehors. Qu'est-ce que c'est? Tu sers? Avec de la viande humaine en accompagnement? Oh. Non. Non, je te le promets, c'est juste du cerf. Espèce de monstre. Ah. Un peu rapide comme jugement. Genre, tu peux pas me donner un couvert. Toi et ton ami, vous avez tué combien d'hommes? Ils nous ont pas laissé le choix. Et tu crois que nous, on a le choix? C'est ça? Vous tuez pour survivre. Tout comme nous. On doit s'occuper des nôtres, à n'importe quel prix. Et maintenant? Vous allez me découper en petits morceaux aussi? J'aimerais mieux pas. Allez, dis-moi ton nom. Tout ça, c'est des conneries. Au contraire. J'ai été... plutôt honnête avec toi. Qu'est-ce qu'il veut, le mec, là? Maintenant, à ton tour. C'est le seul moyen de convaincre les autres. De quoi? Les convaincre de quoi? Que tu peux vivre ici. Hein? Tu as un cœur. Tu es loyal. Tu es spécial. Oh. Oula, qu'est-ce qu'il est en train de faire, là? Vas-y, chope-le. Chope-le. Oh, bien joué, ça. T'es vraiment stupide. On l'a pris cher, je pense. On peut pas dire que tu m'aides à te sauver la vie. Qu'est-ce que je vais dire aux autres, maintenant? Ellie. Quoi? Dites-leur que... Ellie est la petite fille qui... vous a pété votre putain de doigt! Comment t'as dit? Hein? En petits morceaux. Petits morceaux. Oh putain, j'aime pas ça. À demain matin, Ellie. Non! Non, c'est bon, ils ont pas chopé Joël. Tant mieux. Par contre, il est toujours dans un sale état, le pauvre. Ah, bon, on rejoue ce perso là, ok. Alors attendez. Ah, par contre, le truc qui est cool, c'est que j'ai toujours mon lance-flamme. Donc, s'il y en a qui m'emmerde, je lui crame le cul. Voilà. Ok, le peupon. Il charge le peupon. Le peupon, il est chargé. Toi, t'es chargé. Toi, t'es pas chargé complètement. Voilà. Ah! Putain, y'a qu'une trousse. Un fuc. Oh là 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 là. Mais où t'es passé? Oh
sûr, je vérifie juste s'il n'y a pas des compos. Ah, attendez, j'ai vu que je pouvais sortir par là, mais... Attends, je comprends pas, je peux sortir par là et par la porte. Attendez, on va tester l'autre côté aussi, on sait jamais. J'ai un truc là. Attendez, hop, 85. Ah, on n'est pas loin. Bientôt je pourrais consommer un surin pour pouvoir tuer les claqueurs sans apparemment sans le perdre. Allez ! Où est-ce qu'elle est passée? Ok, je peux pas entrer par là. Je vais regarder, hein. Est-ce que je peux rentrer dans la maison ou pas? Mais je pense pas. Je ne pense pas, non, je ne peux pas. Oh! Merde! Putain, 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 aïe, 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 non, non. Attends, 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 on va soigner. C'est la merde, ça. Où est-ce qu'elle est? Ah. Est-ce que l'autre a des balles? Oh merde. Toi, je t'ai vu là-bas. J'espère que je peux avoir des balles parce que là je suis un peu dans la merde. Ouais, on a... Tout petit peu dans la merde, mais vraiment très léger. Bon, je vais regarder, mais je pense pas que je puisse rentrer dans la maison là. Ça aurait été trop beau qu'il y ait des trucs dans la maison. Pas dans la maison, dans le camion. Je suis pas fou. Ah si, il y avait encore. Ok. Ok, alors lui, j'ai bien fait de le tuer, du coup, j'ai récupéré ses munitions. Ah mais c'est quand même abusé, hein. Je galère plus avec ce personnage qu'avec Ellie. Hein. Autant avec Ellie j'avais plein de munitions, etc. Autant avec lui. Donc... Bon, la fumée elle a servi à rien.
Bâtard. Putain. Ah, il n'y a plus de balles là-dedans. T'arrêtes pas ! Je voudrais parler d'une manière ou d'une autre ! Il y a un vide, va le choper ! Oh mais non. Oh, donnez-moi des balles, bordel. Me dis pas que je vais devoir me battre aux pompes, quoi. Bon, avec Joel, je suis vraiment dans la merde parce que j'ai plus rien pour me soigner, c'est la merde. Ah, ok. Bon, je peux récupérer des trucs là. Ok, un peu plein. Qu'est-ce qui me manque pour crafter ça là? Oh putain, il faut encore l'alcool. Tu vois rien, je peux. Ça fait mal ça. Tiens, c'est gratuit ça. Petit peu de foot. Je crois pas, non. Ah voilà, je vais voir ton copain. Bon. La fille. Elle est vivante. Quelle fille? Je sais pas de quoi tu parles. Ah la vache! S'il te plaît, fais un effort. Sinon, je t'arrache ton putain de genou. La fille. Elle est vivante. C'est la protégée de David. Où ça? Oh, la vache! Dans la ville! Dans la ville! Écoute, tu vas l'indiquer sur la carte. Et ça a intérêt à correspondre exactement à ce que ton pote me dit. Vas-y. C'est juste là. Tu peux vérifier. Demande-lui. Demande-lui, vas-y. Il te le dira. Je te mens pas! Je te mens pas! Merde! Va te faire foutre! Il t'a dit ce que tu voulais savoir! Je te dirai que dalle! C'est pas grave. Moi je crois. Non, attends! Ça fait mal. Debout là-dedans! Allez! Lâchez-moi! Ça! Non, arrêtez! Merde! Je t'avais prévenu! Non, je suis infecté! Je suis infecté! Quoi? Vraiment? Et vous aussi? Allez-y! Relevez ma manche! Regardez! Je vais jouer le jeu! Oh la vache! Qu'est-ce que vous disiez? Tout arrive pour une bonne raison, c'est ça? C'est quoi cette merde? Elle se serait transformée? C'est impossible! Ça m'a l'air vachement possible à moi! Oh la vache! Ah, un petit couteau à moi. Putain, il me tire dessus. Il me faut une arme. Bah oui, mais je veux bien, mais... Où est-ce qu'elle est l'arme? Allez. Je vais avoir prendre un shooter chaque fois qu'elle dit... Oh la vache. Je peux le faire.
Bon, gars, si tu fais ça, tu finis mal la soirée, hein. Je te l'annonce. Dis bonjour déjà. Bonjour, qui c'est? Comment ça va? Bonsoir, Bambi. Oh merde, y'en a un là. Oh la vache. Ah, qui c'est que je te déteste? Au lieu de dire oh la vache, maintenant je dirais qui c'est que je te déteste. Ça me va, 7ème jour, ouais. Oh merde, 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 merde. Non, aïe. Aïe. Bon, j'ai raté. J'ai appuyé sur le triangle normalement pour le choper, mais j'ai pas réussi. C'est pas cool ça. Le jeu m'a troll. Je fais troll, pas le jeu. Attends, je vais aller là. Je suis en mode infiltré. Alors, tu ramènes tes fesses? Tu ris, ce jeu, je l'ai déjà terminé 4 fois. Oh là là. Eh mais comment vous faites pour le terminer 4 fois? Moi, je fais déjà trop pour pouvoir le faire une seconde fois. Oh merde, il est rentré le salaud! Qui c'est que je te déteste, tu m'as pas vu. Par contre, mec, je vais te choper. Ça va être ta fête. Putain! Voilà, en PS3 maintenant, PS4. Ah bah oui, forcément. Ah! J'ai une arme, mais j'ai une balle. C'est pas bon signe ça. Le DLC, ouais, mais il est fourni avec le jeu sur PS4, je crois. Oh putain, oh putain, oh putain, 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 putain. Easy, je passe easy, tranquille. Attends. T'es où toi? Toi, t'es là. Il est où ce con? Mais je vais te choper, ça va être sale. Tiens. Je te dérange pas moi. Non, non, t'inquiète. DLC encore plus dur. Oh non. Là, je suis en galère. Je suis toujours en manque de munitions. Et quand j'en ai, bah, j'en ai jamais assez. Faut pas me dire ça. Non, non, mais sinon, tu te déranges pas du tout, hein, Bambi. La seule chose que je demande pour tout le monde, c'est juste de pas spoil. C'est juste ça. Oh merde. Oh, toi t'es sorti dehors, t'aurais peut-être pas dû. T'es où? T'es là. Attends. Oh le bâtard, merde. Tiens. Tu l'as pas vu celui-là. Merci pour le follow, Bambi. Ah, c'est... Non, c'est pas Bambi, c'est Bambi, pardon. J'avais oublié lui. Excuse-moi. Oh, il y en a un là. Attends, j'ai vu un truc là. Ah, je préfère la brique. La brique, c'est plus sympa. Ça fait plus mal. Oh merde, putain, lui, il est rentré dans le magasin, quoi.
franchement, je crois que j'ai trouvé ma camp. Hein. J'ai campé dans le magasin. Alors attendez, parce que du coup, on a récupéré une deuxième balle. Hein? J'ai deux trucs de soins, mais c'est abusé quoi. Autant avec Joël, je galère, je suis tout le temps en train de le soigner, autant avec Ellie. Je sais pas où je vais. Là-bas, c'est Bumpy. Mais Bumpy, c'est pareil. Bah, tu préfères quoi, Bumpy ou Bumpy? T'as encore le choix, on est qu'au début. Hein. Merde. C'est quoi toi, t'es tout seul là? Mec, si t'es tout seul, je te rate pas toi, je te l'annonce direct. Je te rate pas, je te défonce. Dis, viens là. Comme tu veux. Ah bah non, c'est toi qui choisis, hein, c'est ton pseudo. Hein. Putain. La bouteille, toujours bien d'avoir un petit accessoire avec ça. C'est la première fois pour toi ce jeu? Ouais. Le 7ème soir, mais la première fois que je joue à ce jeu. On va dire, je me fais un petit rush de jeux solo, enfin des, on va dire des grosses exclusivités de PlayStation. Oh, attends. Je te dis rien là. Non, tu me dis rien. Sauf si vraiment ça fait 3 heures que je suis en train de galérer à un endroit, là ok, j'autoriserai, mais non. Bon. Oh, il y en a encore un là-bas. Attends. Toi, je vais te choper, mec. Non. Enfoiré. Je vais me la faire. Aïe. Nous, tu me tues, toi. Non. Ah, pas si. L'enfoiré m'a esquivé quoi. Oh punaise. Vas-y, toi, je perds pas le temps. T'as pas vu? Merde, il m'a vu. Non, tu m'en rends pas. Hors de question, tiens, je te mens. Tiens, il s'est planté dans le cœur. Enfin, pas dans le cœur, pas vraiment. C'est du code. Bon, j'étais un tout petit poil moins discret ce coup-ci. Mais très léger. Il m'a pas vu. Je vais me soigner par sécurité. Ah. On a déjà tué le mec qui était là. Tu l'as fait dans tous les modes de jeu, Bumpy? Parce que là, moi, on m'a dit, on m'a mis au défi de le lancer en difficile. S'il y avait su, j'aurais pas accepté cette connerie. Hein. J'ai eu les larmes aux yeux, ma première fois magnifique ce jeu. Vraiment, suis toutes les histoires. Cool quand ils parlent ensemble, l'homme et la petite, faut suivre l'histoire. Ouais. Là-dessus, je fais assez gaffe. J'essaie d'éviter de parler pendant les cinématiques. A choper presque.
crainte. Ouais. Mais non, non, là-dessus, j'essaie de bien suivre l'histoire. Je sais pas où je vais. Hein. Oh. Et si elle mord quelqu'un? Bah écoute, viens tester, tu verras. Un problème. Merde, merde, merde. On a déjà un problème. Vous m'avez pas vu, c'est faux. C'est pas bon ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Déployez-vous les gars. Ils sont partis. Si tu veux, t'as le temps de passer sur ma page, je referai aussi. Bah écoute, ça marche. Moi c'est pas sûr que je le referai parce que je suis vraiment pas à l'aise à la manette. Et je... Attends. Toi mon gars, je vais pas te frapper à la canette. Tiens. T'avais pas après tu stream quand Bombi. Merde. Allez, faut qu'on la trouve. Oh, ils m'ont pas vu. Je peux pas être loin. Oh. Oh maman. Je crois que tu préfères la jouer avec Dieu. Repéré. Ah oui. Ouvre-moi. C'est bon, t'es calmé toi? Pour même faire des jeux ensemble, c'est... Ah, ça va être compliqué dans le sens où j'ai pas le PS Plus. Bombi. Je le prends pas parce que... Enfin, on va dire entre guillemets, j'ai vraiment acheté la PS4 juste pour, entre guillemets, pour faire les histoires des on va dire, des jeux solo, des exclusivités PlayStation. Quoi. Du coup, là, tu vois, dernièrement, j'ai fait Spider-Man. Faudrait que je fasse le DLC de Spider-Man. J'ai fini Red Dead Redemption 2. Là, je m'attaque à The Last of Us parce que tous mes amis me l'ont conseillé, même l'autre moche de Chrisek là. Chrisek, je te déteste, hein, n'est-ce pas? Ouais, j'ai pas le. Alors, juste pour expliquer, hein, quand même, petite parenthèse, j'ai pas le PlayStation Plus parce que à la base, je suis un joueur PC. Et le truc, c'est que j'ai aucun pote qui joue à la PlayStation donc. Bah, entre guillemets, j'ai aucun intérêt à prendre le PS Plus, quoi. Sachant que tout ce qui va être jeu FPS, etc., c'est vrai que j'ai privilégié de jouer sur PC. Sauf que ça va être assez rare que je fasse du FPS dans le sens où je vais... Même sur PC, je vais faire les jeux solo, tout ce qui va être par exemple Tomb Raider, il y a Rage. Parce que je sais qu'il y a le 2 qui va sortir, donc faudrait que je me tâte à faire rapidement. Bientôt je refais celui-là et Resident Evil. Autant Resident Evil, je suis vraiment pas fan. Autant The Last of Us. Je vais où? J'ai où? Bah... J'ai bien de réponse. Mais c'est jamais approprié ce genre de réponse. Ils sont où? Bah... Je sais pas. The Last of Us 2 bientôt. Ouais. Je sais pas, à la base ils l'ont pas annoncé sur PS5, non, ils vont vraiment sortir sur PS4. J'avoue que j'ai pas trop suivi, hein, là-dessus. Bon, je sais pas où je vais, hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'y vais à cet endroit. Hein. Je sais pas où ça m'emmène, mais j'y vais. Je vais sortir. Ah bah là, attends, il y a une fenêtre là.
baisse-toi parce que vu l'endroit, ça sent un truc où va y avoir un guet-apens ou une connerie comme ça et... Hop, ok, on a de quoi se soigner, c'est déjà bien. On fouille les bureaux, il n'y a rien du tout. J'attends sa sortie. C'est le bon chemin. Ouais. Il y a beaucoup de monde hein, qui attend sa sortie. Après j'avoue que du coup si j'ai fait le premier, bah, je ferai le second. Quoi. Là c'est pareil, là j'ai plein de jeux qui me motivent à faire, que je suis motivé à faire, par exemple bah, Tomb Raider, la Shadow of the Tomb Raider sur PC. J'ai fait le premier et le deuxième sur PC en stream aussi, donc il n'y a pas de raison que je fasse pas le troisième en stream. Attention au vert. Ah. On va sortir de la brique. La brique, c'est bien. Attention au vert. Ok, je crois que j'ai compris. Faire gaffe. Le pire, c'est que tu me le dis, hein, mais je n'avais pas capté. Ouh. Là, il y a des trucs au sol. Vers la porte. Ouais, non, mais je vais y aller. C'est juste que je regarde autour s'il y a rien. Oula, du verre. Oh merde! Comment t'as fait? Oups. On se calme. T'iras nulle part. Oh merde. Pour sortir? Il va te falloir ces clés. Ah. Je sais que t'es pas infecté. Un infecté ne se battrait pas à ce point-là. Et j'avais pas une brique. Oh merde, merde. Alors, que choisis-tu, Amy? Je dois reconnaître. T'as failli m'avoir. T'as réussi à me faire douter. Seulement un instant. Au fait, Ellie, je suis navré pour ton cheval. Putain, je t'ai baisé. Merde. Bien tenté, petite. Tout va bien se passer. Oh merde. Putain. C'est une surprise. Bâtard, tu m'as pas vu. Dommage, qu'est-ce qu'il y a? C'est trop tard. Non, bâtard. Oh. Aïe. Rends-toi tout de suite. Et ta mort sera rapide. Vas-y, fais le tour. Je te refais la même. Très bien. Si je te refais la même. Je t'aurais laissé une chance de t'en sortir. Voilà. Putain. Cours, petit lapin, cours. Te voilà, Ellie. Non. Oh bâtard. Oh l'enculé. Oh le chien. Oh il m'a défoncé. Il est où ce con? Ouais. Oh putain, il m'a vu, il est là. Oh le bâtard. Attends. Il est où?
Il est où? Putain, il est là. Oh, faut que je ma cachette secrète. Je suis pas fouillé. Où il est là? Merde, j'ai que dalle. Tu veux te battre, tu veux te battre? Ah bah non, ça marche pas. Et maintenant, c'est chaud qu'après. C'est chaud après, il se cache, ouais. J'ai bien vu. Ok, j'ai vu, il est là-bas. Pas vu. Vas-y, va là-bas toi. Vas-y, allez, dégage. Oust. Oh, par contre, toi... Normalement... Ah merde, maintenant c'est l'autre avec lequel je suis en galère tout le temps. On va sortir le lance-flamme, on va mettre les choses au point, je pense. Parce que hop là. Hop, voilà, on met les choses au point. En fait, j'ai fini par comprendre Bombi, entre guillemets, c'est moche, hein, mais c'est scripté. Du coup, j'ai eu... Attends. Si tu vois que dalle, moi ça m'arrange. Vas-y, prends l'arc, prends l'arc. Vas-y, tu vois, viens là. Viens ici. Tiens, c'est gratuit. Non, tu dis rien, hein, Bombi. Oh. Attends. Non, t'as rien vu, toi. C'est faux, t'as rien vu. Merde, ils sont deux. Fuh. Ils viennent à deux, c'est pas bon pour ma gueule ça. On se déploie. C'est pas bon pour ma gueule ça. Mais si toi, vas-y, je te dis, vas-y.
qu'on filme ce jeu. Ouais. Oh merde, merde, oh merde. Non mais ça c'est pas juste ça. Mec, je vais te choper. Où est-ce que t'es? Yes! Je vais me terminer un direct de 6h30. Genre t'as streamé pendant 6h30? C'est ça que t'es en train de me dire? Espèce de fou. Ah, moi j'y vais par petite... Oh merde. Vas-y, viens là, toi. Viens là. Vas-y, viens. Putain, y'en a un autre là-bas, t'es sérieux? Mec, toi, je te préviens, je te fais pas de cadeau. Toi, c'est où je te chope et je t'étrangle, ou je te finis à coup de hache. Et... Tiens! T'as kiffé ça? Hein? T'as rien vu venir? Pouf! Bon, ça va, on a concentré les morts. Attends, le jeu m'a niqué là. Le jeu m'a fucké. Tu vas me payer. Oh putain, il y a son pote qui est là maintenant. Le jeu m'a fucké. Non mais on est d'accord, Bombi. T'as fait la même chose que moi. Toi, pas de cadeau. Toi, cette balle t'était destinée. Ouais, on est d'accord. Je suis pas fou. Le jeu m'a dit, toi, t'es mal. Alors là, j'ai vu que la maison était ouverte. Je vais rentrer dedans, on va fouiller. Si jamais, hein, s'il y a des trousses de soins, surtout avec ce perso là. Parce que j'ai une tendance à perdre de trop mes points de vie avec lui. Contrairement à Ellie. Ce qui me semblait, j'ai vu quelque chose ici. Moi je prends des raccourcis, hein, j'ai pas le temps. Faut que j'aille choper. Comment ça les mecs comme sa fille? Ouais, ouais, c'est ce qui m'avait sent. Ouh, attends. Je vais le savoir dans quelques minutes, mec, du coup je suis passé. Merde. Tiens. Je suis mort.
mort de rien du tout. Mais je suis fucké. J'ai rien pour me soigner. Ça, c'est la merde. Ça, c'est la merde. Au début, si tu te souviens. Oui, oui. Bah, je sais, en fait, c'est. J'ai vu. Enfin, on l'a surtout ressenti quand il allait à. Quand il allait rejoindre son frère à la centrale avec la fille, là. Et puis revirement de situation au moment de se séparer au final. Il est resté avec elle. Et je pense que c'est là qu'il y a eu entre guillemets le déclic, je pense. Ça, c'est le sac d'Eli, ça. On prend les notes. Carnet du boucher, j'aime pas. Ah, c'est horrible. Ah, c'est dégueulasse. Il faut que je la trouve. Il faut que je la trouve. Pas des trucs à ramasser, là, s'il vous plaît. Un truc de soin, là, histoire de... Oh, j'entends du feu, donc c'est que... Putain. Allez. Oh merde. Si je me trompe pas, ils ont fait un film. Ah, je sais pas. Maintenant, je sais pas. Ça m'étonnerait. Ça m'aurait dit quelque chose, le film. Ah, remarque, quoique. T'as peut-être pas tort. Allez Ellie, vas-y. Ah merde, ça m'a dévancé. Le mec, on lui a mis 3 coups de couteau, il est toujours vivant, quoi. Y a pas de honte à ça. Allez, avanti. Tu es trop si grossière. Toi, mec. Tu peux me supplier. Si Joël est là, ça va pendre. Ah, ça va. Très bien. Tu penses me connaître ? Laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas la moindre idée de ce dont je suis capable. Allez, 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 allez. Allez. Arrête. Me touchez pas. Ça va, ça va. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Regarde, regarde. C'est moi. Oh la vache. Je l'ai essayé. Ah, c'est con là, on sait pas ce qu'ils disent. Le manche à la base, il était pas noir. Spring. Oh, c'est joli ça. Ellie. Ellie. Tu m'as entendu? Non. Manche à base, pas quoi? Noir. Oh. Regarde, c'est l'hôpital. On est enfin arrivé. Allez, on y va. Ou enfin, le, on est enfin arrivé. Hein, il y a un peu tout le chemin là à faire quand même. Tu sens cette brise? Eh ben, tu vois, par un jour comme ça, je me serais assis sous mon porche et j'aurais joué de la guitare.
Quand on aura fini avec tout ça, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Ouais, je pense que ça te plairait beaucoup. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? T'arrêtes de critiquer, toi. Pas de ma faute si j'ai eu le sens du détail, hein. Excusez-moi du peu. Hein. Commence par ça. Comment ça, merde? J'ai rêvé que je volais une fois. Ah ouais? Ouais. Vas-y, raconte-moi. Voilà, j'étais dans un avion rempli de gens. Et tout le monde criait et hurlait parce que l'avion allait s'écraser. Alors, c'est sympa je suis allée comme dans le cockpit, comme... j'ai ouvert la porte, mais il n'y avait pas de pilote. J'ai essayé de prendre les commandes, mais évidemment, je sais pas piloter un avion. Et juste avant qu'on s'écrase, je me suis réveillée. Je suis jamais montée dans un avion. C'est bizarre, non? Ah, tu sais, les rêves, c'est ouais, bizarre. Enfin, moi, je suis bien montée qu'une seule fois dans un avion, hein. Ça veut rien dire. Hein. Bon, j'étais pas sûr, hein. La première fois que j'ai pris l'avion, j'étais là, je fais « Oh merde, merde, merde !» Autant le voyage, ça allait. Autant le décollage et le voyage, ça s'est bien passé. Mais comment, quand il commençait à descendre l'avion, je fais... mon cœur était pas bien. Regarde ça. Une autre ville et une autre zone de quarantaine abandonnée. Oh non, sérieux. C'est l'hôpital dont parlait le type des Lucioles. On y va, Ellie. Enfin, ça m'étonnerait que l'hôpital ait encore du monde dedans, vu la tronche de la ville. C'est pas que je vais être pessimiste, hein, mais... pareil, moi j'étais bourré, j'avais peur. On devrait couper par là, non ? Ah non, moi j'étais pas bourré, moi j'étais bien conscient. Moi. Mais après, j'avais pas trop de choix, c'était pour le boulot, alors... qu'on se doutait encore de rien. Je suis dev pour prendre l'avion. Ah, ça peut être une solution aussi. Hein. Moi j'ai mâché des chewing-gums tout le long du voyage. Je me suis retrouvé, j'avais une boule de chewing-gum à la fin. Ah, c'était pour Milan. Ah non, moi ça va, c'était un petit vol d'une heure et demie, on va dire de l'ouest à l'est de la France. On pourrait utiliser cette échelle. Ah, c'était soit ça, soit on se tapait 7 heures de train. Voilà, au moins mettre du sirin, maintenant je peux me défendre. Je peux me défendre correctement contre les claqueurs. Nickel, moi Belgique, mais là. Ah oui, effectivement, c'est pas le... c'est pas le même trajet, ça. On y va. Ellie. 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 Quoi? L'échelle. J'attends. Ouais. Qu'est-ce que je lui arrive, là? Enfin, je trouve une solution parce que je peux pas tourner la tête et regarder l'écran. Je sais pas si c'est très mal poli de faire ça. Ah, c'est moi, j'ai mal configuré. Je lui ai dit de balancer un message tout l'X. Pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, d'accord, Ellie, merci. Ellie! Ellie! Mais qu'est-ce qu'elle a?
Tu vois ça? Quoi? C'est quoi? Quoi? Je vois rien du tout. Alors là, j'hallucine. Qu'est-ce qui... Des oiseaux? Comment ça, des oiseaux? Allez, grouille-toi! Attends, deux secondes. Oh. Ah, c'est pour toi. Oui. Oui, c'est... Bah, c'est le bot. C'est un bot. Tu vois ça? Une girafe? What? Une girafe ici. Tu fais quoi? Tout va bien. Viens, allez. Salut. Dépêche-toi. Vas-y. Ah vache, une girafe ici. Comme ça, je vais vous dire. Alors, il vient pas de moi techniquement, mais c'est moi qui l'ai paramétré pour qu'il balance ses messages. Oui. Où est-ce qu'elle va? J'ai commencé hier. T'as commencé hier. Ralentis, quoi? Enfin, utiliser Twitch. Fuck. Regarde ces trucs. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas vu de verdure comme ça, dis donc, dans le jeu. Ok. Bah, bienvenue sur Twitch alors. Alors, c'est à la hauteur de tes espérances? Bon, je suis un peu mitigée. Mais faut bien reconnaître que c'est joli. Un ami me parlait de ça, c'est vraiment cool. Bah, disons que si tu sais pas trop quoi faire de tes soirées, ça peut te changer les idées, le Twitch. Merci beaucoup, de rien, je t'en prie. Ouais, donc si tu veux, bah, le truc Quizbot là, c'est un truc vachement, on va dire, vachement bien fait, dans le sens où entre guillemets, tu utilises ton compte Twitch et en gros, dès que tu vas te mettre à streamer, bah, t'as le bot qui va rejoindre ton canal, et puis bah, en fonction de comment tu le paramètres, tu peux lui dire de balancer des messages, de dire de souhaiter la bienvenue par exemple à tout le monde, enfin à tout le monde qui arrive sur ton stream. Des petites choses comme ça, ou après il y en a, tu peux pousser la chose, par exemple pour faire des... Je dirais une bêtise, des... Ah, comment ça s'appelle? Des lectures automatiques de vidéos YouTube, par exemple. On n'est pas obligé de faire ça. De quoi? Tu le sais, pas vrai? C'est quoi, l'autre option? Retourner chez Tommy. Et laisser tomber toutes ces conneries. Après tout ce qu'on a vécu. Après tout ce que j'ai fait. Je vais pas gâcher ça. Encore beaucoup à apprendre. Oh, t'inquiète. On va dire, vas-y tranquillement, Bombi, tu procèdes par petits trucs. Écoute, je sais que tu veux bien faire. Parce que sinon, tu vas faire beaucoup de choses et... jusqu'au bout. Quand tout ça sera terminé, ça va être le bordel. On ira où tu veux. Ok. Bon, je ne partirai pas sans toi. Alors finissons-en avec ça. Bon, mais dis donc. C'est qui commence à apprécier la fille? Tu veux quelque chose? Non?
Cet endroit me rappelle des choses. Pourquoi ? C'était juste après que tout parte en vrille. J'ai atterri dans un centre de triage comme celui-ci. Et bon sang, partout où je regardais, je voyais des familles déchirées. Comme si tout ce foutu monde avait tombé dans le chaos. T'as créé un deuxième compte, Bobby ? C'était après avoir perdu Sarah ? Ouais, c'est ça. J'imagine pas ce que ça fait de perdre un être aussi cher. De perdre tout ce à quoi on tient. Je suis désolée, Joël. C'est pas grave, Ellie. Pourquoi il y a une brique ici ? Est-ce que je dois m'inquiéter ? Je crois que oui. On va regarder. Est-ce qu'il y a des trucs ? Ok, déjà je l'ai ramassé. Toujours ça. Oh, outil niveau 5. Ça c'est bon, ça veut dire qu'on a bien, on a tout débloqué. Sans montage, j'ai deux comptes PS4. D'accord. Après moi voilà, je là-dessus, je fais pas la course. Je fais pas la course au follow ou au truc comme ça. On va dire, je fais vraiment le. Je stream les jeux solo. En fait, c'est d'abord une motivation pour moi, juste pour me motiver à les faire, à les finir. On se met au travail. Un compte en Belgique et un en France, d'accord. Les balles tirées par l'arme infligent plus de dégâts. Ok. Portée, il va y avoir puissance. Ah c'est ça, c'est l'intérêt, c'est le gros intérêt des follow quoi, c'est vraiment de pouvoir être notifié quand quelqu'un live et même quand tu, on va dire quand tu es connecté sur ton interface, bah t'as hey, Joël, j'ai quelque chose pour toi. Menu de gauche, bah tu vois tous tes streamers, tous les streamers que t'aimes bien. Maria me l'a montré et qui stream. Je l'ai volé. J'espère que tu m'en veux pas. Hein ? Comment ça voler ? On a beau essayer de toutes ses forces, on peut pas échapper à son passé. Merci. Ah mais faut pas échapper au passé. Il est où? Comment dire? Cette fois, ça va être différent. Je le sens. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils vont être là, les lucioles. J'en suis sûr. Je sais pas pourquoi, mais le fait que ce soit un tunnel, j'aime pas trop beaucoup ça. Des trucs là-bas. Yes. Ok. Je peux recrafter. Putain de merde, viens ici toi.
Je te préviens, mon gros, je te fais pas de cadeau. Toi, tu crames. Et tu crames genre jusqu'au bout. Ça va être plus vite sur tel pour écrire. Ah bon. Ici, un conseil doucement aussi. Wow, je fais doucement, t'inquiète. T'inquiète, c'était totalement maîtrisé. Moins de bruit possible. J'ai pas fait beaucoup de bruit, juste un petit peu. Chut. Trois fois rien. Regardez la brique. Es-tu là un moment dans l'histoire où t'as fait du style? Oui. Quand je jouais Ellie. Quand j'ai joué Ellie, tu peux demander à Lily. Hein. Elle est là, elle m'a vu, j'ai fait tout en mode sneaky. Par contre, dès que c'est Joël, c'est fini. Hein. Il n'y a plus de respect, hein. Moi je... Oh merde. De bordel de... Qu'est-ce que je te déteste? Au cas où s'il se pose la question, c'est pour pas dire oh la vache. Oh putain. Ah, il a fait une variante, il a fait oh putain. Manquer de surin dans cette affaire. Ça marche, bonne nuit Lily. Merci à toi d'être passé. Est-ce que je peux te voir toi? Voilà, j'en ai éliminé. Comment ça compte pas? Bien sûr que si, ça compte. C'est pas parce que l'autre a fait 50 cm de moins que ça compte pas. Hein. Oh. J'ai tout fait en sneaky. Oh merde. Il y en a beaucoup trop. Je sais, mais on doit continuer. Bon, comment qu'on fait? Je sais comment on va faire. Comment je vais faire? Ah non, ça marche pas trop ça.
Voilà. C'est passé. C'est passé. Je vais juste faire ça, hop là. Comme ça, je prends pas de risque. Attendez, je veux plein de loot ici. On va se servir, on va se faire plaisir parce que là. Ah, mon petit surin, tu m'avais manqué. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de surin. Ok, donc là c'est pas une porte qui s'ouvre. Bon. Faut que je fasse gaffe alors. Non, ça va, il est une demi-heure. Il reste une demi-heure encore. Non, mais non, 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 mais non, mais non, mais non, mais non, c'est une blague. C'était raté. Non mais attends, c'est sérieux, j'ai spammé les carrés. Où? Ah non. Non mais c'est une blague. Je peux te recommencer quoi. Je vais me faire chier, je vais aller dans ce femme et puis on n'en parlera plus. Tu vas voir ton mode sneaky, ça. Hein? Je sais, mais on doit continuer. Un explosif, je suis niqué là. Bon, et ton mode sneaky, c'est ce qui va lui arriver. Hein. Je vais pas me faire chier, moi je vais y aller au peupon et puis on en parle plus. Hein. Attends, attends, c'est une blague, j'avais plein de munitions là. C'est quoi ce délire? T'as repris l'arc, trois petites chests.
Alors, comment t'expliquer que l'arc, voilà, il ne reste que un. Par contre, c'est pas normal, j'avais des munitions là, normalement. Il y avait des munitions de fusil de... Le jeu m'a fucké, encore une fois. Le loot aléatoire aussi. Ouais, non, mais là, il y en avait, c'est ça que je veux dire. Puis vaut mieux, je veux dire. T'inquiète. Ça pourrait être bien géré, elle va être bien gérée, mes munitions. T'inquiète pas. Ah, tu vois ton mode sneaky, ce que j'en fais. Ça marche très bien comme ça. Voilà, problème réglé. Alors, attends, t'as un difficile, Nani? Ouais. Ah bah je peux te le montrer. Hein. Enfin non, là je peux pas, mais oui, je suis bien en difficile. Il meurt beaucoup trop vite, les boules. Alors, sache que j'ai amélioré le lance-flamme au maximum. Après, peut-être que ça change avec la version PS4. Hein. Ok. C'est peut-être ça qui a fait que, hein, mais... Ok, tu crois que tu peux faire tomber la caisse? J'avoue, je sais pas. Je suis allé... Moi, je suis pas dans la dentelle. Hein. C'est pas mon style. Bah c'est pareil, tu crois qu'en faisant tomber la caisse c'est discret, hein, hein? Tu me le fais pas moi, Cressec. C'est bon. Je pense pas qu'il puisse nous atteindre. Allez, Lee, ici.
Fais bien attention, ça a l'air assez profond. Bah, si quoi t'étais parti que t'avais qu'une personne, le bruit de la caisse se serait attiré. Ouais, ça marche. Ah. Mais vu que j'ai bien fait avant, bah, je suis tranquille, c'est ça l'idée. On peut pas attendre ça. Oui, donc qu'est-ce que tu suggères ? Ah d'accord, bon, j'ai compris, c'est encore ma pomme qui s'y colle. Quoi. Je suis de l'autre côté. Ok, attends. Allez, ma grande, tu montes. Donc quoi, le mode sneaky, c'est surfait, hein, Rizek. Ok, reste bien sur le côté. C'est moins profond par là. Oh, c'est gelé. Ça, c'est con. Fais leur réalise un endroit. Chut. Et encore une porte bloquée. Ah bah attends, il y a un truc là, il est marrant lui, il s'apprêtait à ouvrir la porte alors que. Oh putain. Je sens pas là. Par contre, elle dit que tu te démerdes avec le claqueur derrière. Va ouvrir la porte. Genre, là, j'ai pas vu quoi. Genre, il était pas visible du tout. Ça va? Juste foutu les boules. Vivement que ces saletés disparaissent. Merci, Link, très amable. Ah, ah, table de confection. Très bien. Tu vois, là, tu vois par exemple là le truc puissance, j'ai direct augmenté. Porter. Vas-y, je sens bien porter. Ça ira très bien. Comme ça, je prends encore moins de risques comme ça. Ne bouge pas. Je comptais aller nulle part. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde, 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 merde. Ouh, attends. Vas-y, ça. Non. Fais pas le coup. Bon, j'y vais, faut que j'aille là-bas, là.
là là, mais qu'est-ce qu'il... Oh là 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 là. Je dois aller là-haut. Oui, ok. Peut-être par là, là. Oui, ça sent bien le bon endroit, ça. Allez, je veux que tu passes. Impeccable. Mais non, non. S'il te plaît, attends. Ok, je... Eh ben attends, tu permets ou... Bon. Un petit peu graphique. Ok. Vas-y, monte. Ok. Ok, c'est bon. J'y suis. Fais attention. Voilà, c'est bon. Mais dis-moi qu'il y a une échelle ou une planche de bois, un truc comme ça, quoi. Ah, attends. Vas-y. Cette saleté d'échelle s'est décrochée du mur. Et maintenant ? Non, non, non. Tu veux dire que t'as pris du poids. J'ai trouvé autre chose. Ok. Attends, si je me rappelle bien. Le menu d'entraînement, donc hop, je fais ça. Je peux la reprendre. Et normalement, je vais pouvoir. Là, faut faire en 4 étapes, quoi. C'est vachement bien fait quand même. Ah, d'accord. Avec. Et ben voilà. Oh non. Tu me laisses passer devant. Hein? Tu me lâches pas. Ok, je te suis. En dos de là. C'est risqué ça. Je suis là. Allez, il y a là. J'ai même pas besoin de moi. Fiche mon camp de ce truc. Je suis tellement pas serein sur ses conduites. Bon, Marc, ça a l'air d'aller. Hein. Voilà, suffit juste ça. Allez, allez, bouge! Carbone,
Allez. Je vois un grand. Joël. Allez, 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 chope-la, chope-la, chope-la. Allez, allez, allez. Il est chaud. Merde, elle respire plus. Fais quelque chose, Joël. Allez. 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 Non, 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 allez. Non, non, non. Allez. Les mains en l'air. Elle ne respire plus. J'ai dit les mains en l'air. Non, 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 non. Bienvenue chez les Lucioles. Hein? Désolé pour eux. Ils te connaissaient pas. Et Ellie? Elle va bien. Ils l'ont réanimée. Oh. Vous avez fait tout chemin. Comment vous avez fait? C'est grâce à elle. Elle s'est battue pour arriver ici. Peut-être que c'était écrit. J'ai perdu presque tous mes hommes en venant ici. J'ai pratiquement tout perdu. Et voilà que vous débarquez et qu'on vous trouve juste à temps pour la sauver. Heureusement. Peut-être que c'était écrit. Je veux la voir. Tu n'as plus à t'inquiéter pour elle. On va s'occuper... Je m'inquiète. Allez, laisse-moi la voir, s'il te plaît. Oh. Tu ne peux pas. On la prépare pour l'opération. Quelle opération? Quoi? Quelle opération? Les médecins m'ont dit que le cordyceps, le parasite en elle, a apparemment muté. Comment ça? Elle est donc immunisée. Quand ils l'auront enlevée, alors ils pourront développer un vaccin. Un vaccin. Mais il pousse dans son cerveau. Oh non. Je sais. Oh putain, non. Trouvez quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre. Écoute, tu vas me conduire... Arrête. Je comprends. Oh non, pas Ellie, quoi. Mais quoi que tu penses traverser en ce moment, ce n'est rien comparé à ce que j'ai vécu. Je la connais depuis qu'elle est née. J'ai promis à sa mère de veiller sur elle. Alors pourquoi tu les laisses faire ça? Parce qu'il ne s'agit pas de moi, ni d'elle. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Oh non, ils vont pas la tuer quand même. Oh non. Ouais, tu continues à croire à ces conneries. Escorte-le dehors. S'il tente quoi que ce soit, tue-le. Hein? Ne gaspille pas cette chance, Joël. Debout. J'ai dit debout. Tais-toi, Krisek. J'ai très bien les voix françaises. Allez. Toi, mec, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Si tu me donnes des ordres comme ça, tu passes un mauvais quart d'heure. Je te le lance direct. Avance, j'ai dit. T'as intérêt à m'obéir. De quel côté?
Qu'est-ce que tu fous? Avance. J'ai dit avance. Je te le dis. Où est la salle d'opération? J'ai pas le temps de jouer à ça. Où elle est? Où? Tout au fond. Merde. Oh merde. Il est là! Salut mes Siri. Ah, malheureusement mes Siri. Je crois que je suis... Oh putain, je suis en train de regarder l'heure, j'ai une heure et demie, ma pauvre. T'arrives vers la fin. Trouvez la cible et éliminez-la. On va fouiller les autres. Mais si, je t'ai dit, j'ai pas fini là. En vrai, si tu fais ça genre ce move, c'est one shot. Je viens le croire. Oh merde. Faut faire le tour. Non, c'est... Ça, c'était pas le bon plan, ça. T'as des surprises pour moi? Hein? Ouais, ouais. Tu vas voir ta surprise. Mais lui, je viens juste vite fait pour dire entendre une voix et faire un truc en même temps. Ça marche. Pas de soucis, monsieur. C'est sec, tu vois pas ça, je ferai un clip de ce que j'ai fait en début de soirée. J'étais fait un de ces pré-shots à l'arc. C'était un truc de ouf. Putain, y'en a un autre là-bas, t'es sérieux? Allez, je vais voir. Bah, faut que tu regardes où... Putain, c'est au début. C'est encore 3-4. Hein? Y'a encore tout ça, t'es sérieux? Il va pas se déplacer, lui? Oh putain, le fumier. Bon, hein. Après les gars, salut. Ils sont combien là dans... Ah. Bien, il n'y a plus de balles là-dedans, il n'y a qu'une balle là.
encore rien vu du tout. Vas-y, décale, mec. Je te promets que tu décales, t'es mal. Oh, nice, un fusil d'assaut. Vas-y, fais-moi voir ça. Fais-moi voir ça. Je t'ai arrangé ça, moi, il n'y a plus de balles. Je t'arrange ça, attends. Je vais voir s'il n'y a plus de balles. Ce con. Aïe, aïe. Du chaud là. Du tout. J'étais calculé. Ou peut-être pas. Toujours un qui est là. Où tu te caches, sale bâtard? Ici. Tant que c'est sur Twitch, oui et non, parce que bah, j'ai streamé à plusieurs reprises et puis après j'ai fait des pauses de un an, des choses comme ça. Oh. Attends. Ils sont deux. Oh.
dire, moi je stream plus, juste. Ouais, non, mais c'est un peu ça. Mais là, on va dire que j'ai une motivation première, c'est de faire les jeux solo, c'est de faire l'histoire et d'avancer dedans. Quelle heure là? 1h41, moi, vas-y, j'avance un peu. Bon, mec, et tu m'emmerdes, toi, je vais te chercher, puis on n'en parle plus. Moi, c'est rencontrer plein de gamers comme moi. Mais j'ai pas la motivation en ce moment. Ah, pourtant. Comment ça, t'as pas la motivation? Pourquoi que t'as pas la motivation? Merci, Missiri, pour l'hébergement. Alors, Crissek, maintenant, je veux plus t'entendre. Si ça, j'ai pas fait en putain de sneaky, hein? Je veux plus t'entendre. Ah bah c'est tout ce que je te souhaite, hein, Bobby, c'est d'y arriver. Hein. Moi j'ai pas forcément envie de entre guillemets d'être connu ou autre, c'est juste vraiment, c'est juste moi, déjà mon côté principalement motivé à faire les jeux solo. Oui, bien, bravo. Ah, merci mon petit Chris, ça me fait plaisir, ça me va droit au cœur. C'est bon, maintenant je peux faire des conneries. J'aimerais bien faire carrément mon métier. Ah, c'est tout ce que je peux te souhaiter après, Bobby, mais malheureusement, je suis pas de bon conseil pour ça après. Si ce n'est de rester toi-même, bien évidemment, éviter de jouer à un jeu. Enfin, éviter de... comment dire... éviter entre guillemets de te donner un rôle, je dirais. J'ai marre de jouer seul et être seul pendant mon live, je ne demande même pas déjà. C'est un ami qui a qui parlait. Bah. Moi au début j'étais comme ça aussi, mes Siri. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté entre guillemets de stream, c'est qu'il n'y avait personne. Puis au final je me dis aujourd'hui, honnêtement, je vous pèse, je vous pèse. Pardon. Excusez-moi, je me suis emporté. C'est juste que je suis content, ils m'ont pas vu. Je peux crafter ça, on va crafter ça. Juste. Okay. Et du coup, ouais. Donc je disais. Qui fait ça ou tu veux en reparler là? J'ai trois personnes qui passent et j'ai commencé depuis hier, donc il faut le temps. Ouais, non, mais c'est ça, Volby, hein. Honnêtement, faut du temps. Tu sais, honnêtement, t'as des chaînes à mettre. C'est pas pour décourager, hein, mais ça peut mettre. T'as des chaînes qui mettent un an avant de décoller. Après, voilà, ce que tu peux aussi faire, c'est peut-être poster des fois des messages sur des forums ou autres. T'explique ce que tu stream, etc. Et puis qui sait, ça te permettra peut-être d'avoir du monde comme ça. Hein. Moi j'avoue, je fais aucune pub. Hein. C'est vraiment, je lance mon stream, je fais. Je vis entre guillemets ma vie de joueur là sur PS4 pour le moment. Et puis bah, s'il y a des gens qui veulent venir, quitte même à ce qu'ils regardent juste le stream, moi ça me gêne pas, loin de là. Qui parle ou qui parle pas. Il y en a, je comprends aussi, hein, il y en a, ils aiment bien juste regarder et pas. Oh merde! Là! J'aime pas reposer ton vocal quand je serai. Bah, ouais. T'es vrai.
Ah, même je lance, je préviens pas. Moi je mets des messages sur Facebook ou autre, Twitter, même si clairement il y a personne qui me suit dessus, c'est juste histoire de dire que ça vit quoi, mais bon allez les gars, je suis gentil ce soir, je pousse vraiment jusqu'à 2h maximum, mais après j'arrêterai. Hein. Même s'il reste 10 minutes de jeu à la fin, malheureusement, j'arrêterai. Hein. Parce que demain, faut quand même que je me lève à 7h30, donc faut que je dorme quand même un petit peu. C'est sûr, mais même si ça me prend 3 ans, je vais pas arrêter. Bah après, après, clairement, c'est ça, Bulby. Hein. Faut pas arrêter. Même si à chaque fois que t'as que une ou deux personnes, si vraiment c'est après c'est ce que tu cherches, faut pas arrêter. Après, ce qu'il faut aussi c'est être assez constant, je dirais, te faire une sorte de calendrier, sûr que t'es tout le monde. Hop. Après c'est un choix que faisait avec moi. Moi j'avoue que bah justement ce qui m'ennuie en fait c'est de me dire tous les jours en fait je joue avec mes potes sur Discord ou autre à différents jeux etc. Et du coup au final mes jeux j'ai jamais le temps d'y passer. Et là le fait de streamer les jeux solo bah voilà ça me donne entre guillemets une raison de dire les gars bah désolé ce soir j'arrête de jouer là et, genre 23h30 j'arrête je joue à mon jeu solo. Je sais même pas pourquoi j'ai un Twitter, j'y vais jamais, je sais même pas si j'ai encore les mots de passe. Bah après comme dit hein, mais Siri c'est faire en fonction de ce que t'as envie surtout hein. T'es libre de pas utiliser ton Twitter ou autre hein. Ah, après Krizek c'est aussi parce que toi t'es comme ça, moi c'est différent, moi c'est vrai que j'ai plutôt tendance à justement à pas vouloir être seul pour jouer. Parce que j'ai du. Enfin. Comment expliquer ça? En fait ça me fait bizarre de me dire que je pourrais voilà discuter avec quelqu'un ou autre tout en jouant et puis au final je reste que à jouer et. Ouais, c'est ça. J'arrive, Ellie. Oh là 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 là. Au moment où j'avais 20 personnes et à un moment donné, j'ai fait la connerie d'arrêter. Maintenant, je regrette que j'ai plus la même envie car je savais que je parlais avec les gens avant. Maintenant, c'est plus pareil. Bah, après, moi, ce que je te dirais, c'est te force pas à reprendre si t'as pas envie. Non, maintenant, vous avez rien vu, les gars. On a 3, ok. Ok, ils sont deux là. C'est voilà, c'est fait. Si vraiment t'as envie de te remettre à streamer, remets-toi-y, mais si entre guillemets tu te dis faut que je stream ce soir et que tu lances, le truc c'est que derrière t'auras pas la motivation et ça va se ressentir. Pour l'avoir fait, moi j'ai déjà fait, il y a un moment je streamais 4 heures par soir, tous les soirs de la semaine. Et puis au final, potentiellement, je dirais, le fait de voir personne, bah, ça m'a un peu démotivé. Et puis c'est vrai qu'il y a des soirs, j'avais pas envie du tout de streamer. Et puis je le faisais, mais on va dire entre guillemets, j'essayais bref. Toi t'as rien vu. Je me fais repérer, je le sens. Bon, c'est pas le bon plan. Si justement j'en stream, j'oublie mes problèmes, ma tristesse avec les streams. Bah... Dans ce cas, je te dirai fonce, hein.
T'as vu ce truc? Merde. Bon, bah, je suis repéré. Oh, attends, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire, je vais m'en débarrasser comme ça. Je me concentre vite fait un petit peu pour les dernières minutes qui restent. Tout seul surtout, non? Ah non, ils sont deux. Bon, faut aussi que j'ai une peur personne pour parler avec moi ou jouer, mais mon copain bosse, mon meilleur ami a plein internet et les autres amis c'est des poules. Ah bah bravo ça. Après, c'est tu joues à quoi aussi, Siri? Ah, ils sont vulgaires dans ce jeu quand même. Hein. Attends, j'ai ma petite idée. Hop, toi qui c'est cadeau là-bas. Derrière, tu vas rien comprendre. J'ai merdé, je savais. Non, putain. Je vais pas y arriver. Oh non, faut que je recommence tout. On recommence. MC, c'est des tunnels et de Fordy de Jeff Empire et là. D'accord. Alors, MC, je connais pas. CD to Die, je connais de nom, mais sans plus. Let for Dead, je connais parce que j'ai fini le jeu. Age of Empire, ça date, mais je connais aussi. Et LOL, je connais. Mais j'ai arrêté. À partir du moment où j'ai commencé à insulter mes amis. Oh, t'as rien vu, toi, t'as rien vu. Oh merde! Shit! Non, 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 fumier. Attendez, je vais peut-être pas prendre le lance-flamme là. On va prendre ça. Ah,
Ah, MC égale Minecraft, ok. C'est pareil, j'avais le jeu. J'ai arrêté. Parce que les deux ont pété. Oh merde! Je crois que les deux ont pété. Mais où est-ce que tu planques? Ouais, putain, je crois que j'ai réussi à péter les deux. Enfoiré! Ça, c'est con. Je les ai niqués. Yes. Bande de pourriture, je les ai niqués. Je pourrais aller me coucher tranquille. Faut leur acheter des lunettes, ouais. Ça va, leur facilite pas la chose non plus. Est-ce qu'il y a Ellie? Est-ce qu'il y a Ellie au bout du couloir? Parce que là. Putain. Docteur! Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous lui faites? Vous ne pouvez pas la prendre. Notre avenir en dépend. Pensez aux vies qu'on va sauver. Qu'est-ce que je fais? Pas Ellie, je suis désolé. Tue-le. Ah bah c'est fait. T'étais pas obligé de tous les tuer. Ouais bah c'est pas grave, je les ai tous tués. Mais quel salaud. Je m'en fous. Je veux pas de témoins comme ça. Ah, attends. Allez Ellie, je te tiens. Seul c'était bon. Merde. Je vais te faire sortir de là, ma belle. Je te tiens. Je te tiens. Allez. Je ne sais pas où. Ah merde. Non. Relâchez-la. Relâchez-la. Non. Quoi? Ah merde, c'est pas la fin. Merde. Reculez, j'ai dit. Vite. On va le faire choper. Ouais, bah merci, j'ai compris après, mais c'est... Allez.
Putain, je vois l'heure qui tourne, fais chier. Tu ne peux pas la sauver. Oh merde. Tu l'as fait sortir et après? Combien de temps avant qu'elle se fasse massacrer par les claqueurs? Si elle ne s'est pas fait violer et tuer avant? Ce n'est pas à toi d'en décider. C'est ce qu'elle voudrait. Et tu le sais. Écoute. Tu peux encore faire le bon choix, Joël. Oh merde. Elle ne sentira rien. Ouais, mais quand même, quoi. Oh non, on me dit pas qu'il l'a abandonné quand même. Ah, il a pas abandonné. C'est quoi ce truc ? Reste calme. Le médicament fait encore effet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est du prof, ça, mes Syriens. Bravo. On a trouvé les lucioles. Quelle délicatesse. En fait, il y a plein de gens qui sont comme toi, Ellie. Des gens immunisés. Il y en a même des dizaines. Mais ça n'a rien changé du tout. En fait, ils ont arrêté de chercher un vaccin. Oh merde, il est en train de lui mentir. On rentre chez nous. Je suis désolé. Ouais, pensez, ça me donne des frissons, bordel. Ouais. Bah, contre... Oh merde. Quand tu vois qu'ils étaient prêts à sacrifier à la gamine, c'est chaud quand même. Attends. Ne me dis pas. Pitié. Tu dois faire le 2 pour la suite. Tu chercherais à la retrouver. Oh putain, vache. Au final, elle est guérie. Pourquoi j'ai l'impression que ça s'amplifie. On dirait qu'on va devoir marcher. Ça devrait être direct par là. D'accord. C'est plutôt joli, non? D'accord. D'accord. Attention à ta tête en passant. Là, c'est bon. Là, je sens que je suis plutôt jeune. Je crois que je te l'ai jamais dit, mais... Sarah et moi, on se baladait souvent comme ça. C'était une bonne marcheuse. J'étais souvent à la traîne. Je crois que... Je suis sûr que vous vous seriez bien entendus, tous les deux. Je pense que tu l'aurais bien aimé. Et je suis sûr qu'elle aussi. D'accord. Oh. Je t'ai dit d'accord. Regarde en bas. On est presque arrivés. C'est quoi cette ville? Ah, c'est la ville de son frère. Pas de pitié pour les gars. On est plus très loin. Un rose. Non, mais non, mais... Donne-moi la main. Allez, viens. Attends.
Qu'est-ce qu'elle va annoncer? À Boston, quand je me suis fait mordre, j'étais pas toute seule. Ma meilleure amie était là. Elle s'est fait mordre aussi. On savait pas quoi faire. Alors, elle m'a dit, on n'a qu'à attendre. Tu sais, ce sera romantique, on perdra la boule ensemble. What? Aïe. J'attends toujours mon tour. Ellie. Elle s'appelait Riley et ça a été la première à mourir. Après, il y a eu Tess. Et puis Sam. Rien de tout ça n'est ta faute. Non, tu comprends pas. J'ai mis du temps à accepter le fait de survivre. Et tu... Quoi qu'il arrive... Tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Écoute, je sais que ça n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est... Jure-le-moi. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Oh oh. Je te le jure. Messieurs, dames, bon, je crois qu'il fallait que je... Comment dire? Je crois que j'ai bien fait de continuer jusqu'à la fin. Oh, toi, merci, Bombi. Bon, alors, qu'est-ce que ça y est, on a versé sa petite larme? Hein? Hein? Allez, à vous, à vous. Un peu la musique. Voilà. Ah mais toujours, tu m'étonnes. Mais n'empêche, ça fait quand même réfléchir hein, sur ce jeu, parce que du coup tu te poses la question de... Tu te poses la question de qu'est-ce qui est vraiment le mieux. Est-ce que c'est mieux de sauver la gamine pour ton propre bien à toi, entre guillemets? Ou est-ce que vaut mieux la sacrifier pour sauver, si c'était possible, des dizaines de milliers de personnes, de millions, je sais pas. T'as joué la partie où aller avec son ami? Non, pas encore, mais Siri. Merde. Ah, attendez, excusez-moi, je vais passer la vidéo parce que voilà. Après, c'est comme ça que je l'ai vu, moi. Bah, c'est ça, oui, c'est qu'il n'y a pas. Tu vois, quoi qu'il arrive, difficile. T'as vu, Chris? T'as vu? T'as la preuve, je l'ai fait en difficile, t'as la preuve. C'est des questions de point de vue. Ouais, ouais, non mais. Et bah, du coup, bah demain soir, du coup, ce sera la suite. Left Behind. T'es un salaud égoïste. Mais c'est ce que je te dis, objectivement. Ouais, bah ouais, objectivement parlant. Après, ça peut se comprendre aussi avec sa gamine. Hein. Avec sa gamine qu'il a perdue au début, là, ça lui faisait perdre une deuxième personne avec qui bah, il a passé du temps quand même. Hein, donc, ça fait réfléchir. Bon, après, je pense honnêtement, on sera jamais dans ce cas-là, entre guillemets, avec. Enfin, je pense. Hein. Mais c'est pour ça. Rendez-vous de quelle heure demain? Bah, 23h30, mes Siri. Normalement. On va dire à quelques minutes près. C'est maîtrisé à la perfection. Ouais, ouais, ça par contre, j'avoue. Mais t'as un autre jeu. T'as un autre jeu, Chrisek, où c'est pareil. Où, entre guillemets, c'est un jeu qui te fait réfléchir. Je sais pas si ça va te parler, c'est Spec Hop. C'est un jeu, c'est pareil. C'est même encore plus salaud que ça dans ce jeu-là, parce que c'est toi qui prends les décisions de ce que tu veux faire ou pas faire. Et en fonction d'eux, t'as des conséquences.
Spec Ops, je l'ai commencé, ouais. Je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Un jour, je serais bien tenté de le faire. Je serais bien tenté de le faire un jour. Bon, bah en tout cas, la suite demain, donc bah, du coup, ce sera le DLC, hein, dans ce que j'ai compris, donc c'est ça. Mais j'ai vraiment pas accroché au gameplay. Je sais pas, honnêtement, je crois que j'avais joué quelques minutes et puis après, j'avais arrêté aussi. Ah, c'était le problème, j'étais pas motivé à faire le jeu solo, quoi. Pourtant, j'ai essayé plusieurs fois. Ouais, je le ferai peut-être un jour, si je l'ai. Faudrait que je regarde si je l'ai, puis bah, si je l'ai ou si je trouve à pas cher, j'achèterai et puis je verrai pour le faire éventuellement. Mais tu vois, par exemple, pour faire référence au jeu, apparemment, il y a un moment dans le jeu où tu dois où t'as plein de gens devant toi et entre guillemets, tu choisis ce que tu veux faire. Genre, si tu tires des balles en l'air, si tu tires dans le tas pour les tuer, ou si je sais plus quoi, si tu fais rien, quelque chose. Et apparemment, en fonction de ton choix, bah, tu as trois conséquences de choses. Donc, ça, faudrait qu'on. Ça marche, mes Siri, bonne nuit à toi. D'ailleurs, les gens, moi je vais vous laisser là aussi parce que là il commence à être 2h15, ça va faire vraiment beaucoup. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de l'histoire. C'était vraiment, effectivement, on me l'avait vraiment conseillé, c'était vraiment une histoire sympa qui fait réfléchir, qui fait penser. Et tu parles de conséquences d'action. Non, 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 commence pas là-dessus. Moi, faut que j'aille jouer à Détroit. T'inquiète pas, c'est prévu, Grisek. Il est là, hein. Le jeu, il est là, il attend. Il attend comme Zero Dawn, il attend comme Infamous, il attend comme God of War, il y a tout ça. Donc sur ce, moi je stoppe le stream là. Bonne nuit à toi, Bombi, et merci d'être passé, et puis n'hésite pas à repasser demain. Sur ce, moi je vous dis bonne nuit à tout le monde, je vous dis à demain pour la suite des aventures. Enfin pour la suite. Dans ce que j'ai compris, en fait, c'est l'avant de l'aventure. Allez, sur ce, les gens, je vous souhaite une bonne nuit. Ciao, ciao tout le monde. Et à demain.